Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl. Pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne. Montagne, la série audio des aventures alpines. Un podcast proposé par Montagne Magazine. Une pluie torrentielle s'abat sur le camp de base. À l'abri, dans la tente principale, les alpinistes espèrent une bonne nouvelle du routeur météo. Parmi eux, Antoine Roll, un adepte des expéditions d'exploration. En 2019, il veut partager une aventure avec ses amis Simon, Pierrick et Aurélien. Issus des groupes d'excellence en alpinisme, leur niveau est très élevé. Pour les satisfaire, il leur faut une montagne vierge et surtout très technique. Le groupe se tourne alors vers le Pakistan et la vallée du Yarkun, une région longtemps fermée aux touristes en raison de tensions militaires et qui vient tout juste de rouvrir ses portes. Le terrain de jeu parfait pour qui cherche à s'aventurer dans l'inconnu. Je m'appelle Antoine Roll, je suis guide de haute montagne et instructeur montagne chez les CRS Montagne. Je vis à Chamonix pour mon travail, mais je suis originaire des Alpes-Maritimes. Je vis encore un petit peu là-bas et je pratique la montagne un peu partout, donc de Nice à Chamonix. C'est une passion que m'a transmis mes parents. Donc depuis tout jeune, voilà, je suis dans la neige, sur des skis, sur du caillou, en train de grimper, sur une arête. Donc à l'adolescence, je m'y suis mis avec un peu plus d'assiduité, avec entrain, motivation, et c'est ce qui a déclenché vraiment cette passion. Après, en grandissant, en faisant des voies un peu plus dures dans les Alpes, on a forcément aussi envie d'aller explorer les montagnes d'ailleurs. Les voyages, les expés, c'est une partie de la montagne, en tout cas, qui m'a toujours attiré. Voilà, pour l'aventure, aller découvrir des coins, des espaces qui ont potentiellement peu été foulés, peu été grimpés. Et c'est vrai qu'avec un peu l'âge, les copains aussi un peu dans la même mouvance, on recherche un peu les endroits qui ont pas vu l'homme, quoi, quasiment. En tout cas, les montagnes un peu plus vierges, les faces un peu plus vierges, pour ouvrir des voies. Alors moi, je suis parti avec un copain en Bolivie pour la première fois. C'est une expédition qui est facile parce qu'on arrive à La Paz et puis après, en termes de logistique, il n'y a pas de trek, les taxis montent hyper haut et on est déjà à 4000 au niveau de la ville, donc c'est vraiment hyper facile. Voilà. Ça, c'était ma première expédition avec un copain. Et vraiment, la première expédition un peu engagée, c'était avec le groupe Excellence en Alaska. Le fait de rentrer au groupe Excellence de la FFCAM, ça a été un gros moteur, un gros élément déclencheur pour justement se lancer à partir en expé. Nous sommes partis avec Simon Velfringer, Aurélien Vessière et Pierrick Finn. Voilà, on est quatre copains, on est dans la même promo de guide. On a vécu ensemble en colocation, notamment à Chamonix. On a tous fait partie des groupes Excellence. Donc, on savait à qui on avait affaire, entre guillemets, tant sur le plan humain que sportif, et on savait que ça allait très bien se passer. Et on avait envie de partir ensemble, on avait envie de faire un voyage, de partager cette expérience-là. Et en 2019, ça s'est monté un peu tout naturellement, en se disant, on part, vas-y, on se trouve une destination, un objectif, et puis feu, quoi. On a vite regardé autour du Pakistan parce que on voulait partir au printemps, au mois de mai notamment. Et c'est vrai que c'est un pays qui est favorable en termes de conditions pour le mois de mai. Et on voulait trouver un voyage un peu d'exploration. Et on est parti donc dans la Yarkun Valley. Donc c'est dans le nord-ouest du Pakistan.
C'est une vallée qui a été fermée pendant près de 20 ans au tourisme et qui a été réouverte depuis peu. Donc nous, on est parti en 2019, en mai 2019, et elle venait de réouvrir à ce moment-là. Donc on a été, depuis un moment, les premiers occidentaux à réentrer à peu près dans cette vallée. Donc c'était vraiment une chance. D'ailleurs, on ne savait pas si on pouvait vraiment rentrer physiquement, si ça allait être possible. Il y a eu beaucoup de tensions géopolitiques ces 30 dernières années avec le Pakistan, avec la Chine. C'est vraiment le nord-ouest du Pakistan, proche du corridor de Wakhan. Et avec des tensions qui ont existé depuis un peu toujours. La Yarkun Valley, il y a eu peu de grimpeurs qui sont allés, peu d'alpinistes. Donc on ne savait pas ce qu'on allait trouver. On avait repéré via Google Earth plusieurs sommets, et notamment un, le Twizum 2, qui avait une face ouest, qui avait l'air belle, qui avait l'air grimpable, sans risque objectif, donc pas de sérac. Donc voilà, on s'était dit que notre objectif principal, ce serait le Twizum 2, qui culmine autour de 6004. Mais on est resté ouvert en fait à ce qu'on allait trouver dans la vallée. Ça va ? Ça roule. Oh, putain. Voilà, ça roule bien. Ça roule à fond, mon gars. On vient de retrouver Saïd, notre collègue guide, juste devant, pour les 30 prochains jours. Et il est cool. J'ai plus ça. Oh, l'autre, il a mis la brouette, mec. C'est génial. On est arrivé donc début mai à Islamabad, voilà, début de l'expédition. On avait plusieurs jours, quasiment 4-5 jours de trajet pour arriver vraiment au niveau du camp de base. Ce qui était hyper important pour nous, en fait, c'est d'avoir les autorisations et de pouvoir passer les checkpoints militaires. Donc ça a été un peu au jour le jour. Voilà, on a eu les autorisations, on passait les checkpoints, on passait l'école, on est passé voilà, dans des zones quand même qui étaient un peu chaudes, la zone de Peshawar, voilà, on n'est pas passé très loin. Et c'est vrai que pendant 2 jours notamment, on a été escorté par des militaires, par des 4x4 de militaires à l'avant et à l'arrière, armés de Kalachnikov. Et on est arrivé au final à Chitral, qui est une des grandes villes, une des grosses villes, on va dire, de la vallée. Et ensuite, on est resté 2 jours à Chitral. Et après, on savait qu'on partait vraiment sur des petits villages, sur des routes qui étaient plus carrossables. Et l'expé commençait réellement, quoi. Donc on a fait encore 2 jours de 4x4 derrière et on est arrivé au milieu de la Yarkun Valley et on a établi notre camp de base en fait vraiment dans le bas de la vallée. Donc c'était autour de 2007-2008, donc c'était hyper bas en termes d'altitude et on a préféré choisir ce camp de base là pour avoir un confort qu'on n'aurait pas eu plus haut et surtout aussi pour pas avoir à tout porter là-haut pour trouver un camp de base plus haut. Donc l'inconvénient d'avoir un camp de base bas en Himalaya notamment, c'est que on a beaucoup de dénivelé à faire pour atteindre les sommets. Donc il faut aussi imaginer d'aller de 2007-2008 à 6004, et bien ça se fait pas en un jour et pour nous les approches allaient être hyper compliqué. Donc on connaissait déjà pas le terrain et on savait qu'on se mettait des bâtons dans les roues en se rajoutant du dénivelé. Donc à notre arrivée au camp de base, on a vraiment déposé nos tentes et tout notre camp sur une belle prairie, donc c'était vraiment hyper bucolique. Il y avait un peu des animaux, quelques locaux qui venaient nous voir et on a fait notre camp de base rive gauche par rapport à la vallée. Donc on voyait hyper bien la rive droite, mais qui n'étaient pas du tout les sommets qu'on allait grimper. Donc nous, vraiment, les sommets qui nous intéressaient, on ne voyait rien du tout, mais rien du tout. On a fait une acclimatation à ski principalement, et on est allé jusqu'à 5800 mètres. Et on est parti, on s'est engouffré comme ça dans la vallée du Ridge en fait, Glacier, qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vu. On a suivi au début un peu des traces de bergers, on pense, qui arrivaient à un petit plateau. Et après, on a chaussé nos skis, et là, on est parti vraiment sur le glacier.
On faisait plutôt des petites journées, on essayait de pas se fatiguer de trop. Ça nous permettait de nous acclimater, de faire des efforts un peu constants. Et en même temps, comme ça, de découvrir un peu le milieu, le relief, la vallée dans laquelle on était. Et progressivement, on découvrait en fait le Tuisum 2, qui était notre objectif. Et on découvrait cette belle face ouest qui nous tendait les bras, on est passé au pied. Et on est allé buter au fond du glacier du Würzglacier. Est-ce qu'il y a moyen que tu mettes vraiment de l'eau bouillante? Ouais. Moi hier, j'aimais pas trop, c'était un peu froid. C'était moyen de mettre de l'eau bouillante. Je pense que là, elle était bouillante hein, quand même. Ah ouais? Ouais, c'est juste peut-être moins attendre alors. On a passé deux jours vraiment merveilleux là-bas, donc avec une petite journée de ski et une journée vraiment de repos, donc vraiment dans un paysage époustouflant. Et après, on a pu descendre à ski, ce qui était incroyable. Les conditions de neige étaient vraiment très bonnes. On avait l'impression de faire une mer de glace, voilà, d'être sur la vallée blanche XXL façon himalayenne, quoi. À la descente de l'acclimatation, on avait encore quelques jours de beau, un ou deux jours de beau. Donc on a profité, on est redescendu un peu en vallée parce qu'on avait repéré des blocs. Qu'on a pu faire deux jours de blocs, d'escalade pure. Donc c'était assez rigolo. Et c'était vraiment juste avant une bonne période de mauvais temps. Donc là, on rentrait dans la partie un peu moins drôle. Voilà, sous la tente, sous la pluie, à tourner un peu en rond dans les journées. Et surtout, en fait, à attendre les bulletins météo de notre routeur. Qui, on espérait... à avoir la providence du beau temps derrière et d'un beau créneau, d'un bel anticyclone pour pouvoir aller au Tuisum 2. Donc ce créneau, bah, il se réduisait de jour en jour jusqu'au moment où il était plus là, quoi. Sous la pluie, on attendait vraiment les messages d'Ambroise, notre routeur, et il y a un message qui nous a vraiment déprimés. Celui qui nous annonçait que le créneau était trop court. On ne pouvait plus aller au Tuisum 2, c'était plus possible. On avait 3 jours de beau temps. On avait calculé qu'il nous fallait 5 jours pour faire le Tuisum 2, entre l'approche et l'ascension. Et avec 3 jours, bah, ça nous mettait trop dans le jus, quoi. Et donc on a décidé en fait, d'abandonner notre projet initial d'aller au Tuisum 2 et de se rabattre sur un plan B. On a eu du mal à se remobiliser. On était vraiment, vraiment déçus, tristes de même pas pouvoir essayer. Donc en plus, l'ambiance humide, de la pluie et du mauvais temps ne fait pas améliorer ce sentiment-là. On s'est remotivé quand même. Le soleil est réapparu un petit peu. On a pu re-regarder les photos, trouver des lignes qui nous attiraient pour justement pouvoir grimper et pour nous motiver de grimper, en tout cas. Les jours d'acclimatation, donc au fond du Ritz-Glacier, on avait repéré une belle pyramide, mais qui était vraiment au fond du glacier, au fond de la vallée. Et il y avait une belle goulotte, il y a une ligne de glace logique qui se remarque en fait au premier coup d'œil. Et on a décidé d'aller tenter cette voie. Voilà, on ne savait pas quel sommet c'était, on ne savait pas quelle altitude c'était, on se doutait que c'était autour de 6000 mètres, mais on n'avait aucune information. Mais c'était pour nous, en tout cas, ce qui paraissait le plus jouable, vu le créneau qu'on avait. On a pris deux jeux du 03 au 3 light, tac, tac, et 1-4. Ok. On a pris deux jeux de micro. On a un jeu de câblé là-haut, un deuxième jeu de câblé. Et on va prendre 16 pitons. Ouais, 4 chacun. C'est pas mal, hein. 16 c'est beaucoup quand même. 16 c'est beaucoup, ouais. Ah, mais 16 c'est bien pour faire les rappels. Hein. Donc on est parti le premier jour au matin de ces 3 jours de beau. On est parti à pied, comme lors de l'acclimatation. Et on avait fait une dépose de matériel, et notamment on avait laissé nos skis et nos chaussures
à la limite de la neige. Donc, on a pu les récupérer. Et l'idée, c'était de finir à ski comme lors de l'acclimatation. On a dû condenser les journées, donc faire deux journées en une à chaque fois. La première journée s'est assez bien passée. Au final, on était un peu plus light. On a pu avancer rapidement et puis atteindre donc notre deuxième camp de l'acclimatation comme on le voulait, comme on l'espérait. C'est le deuxième jour de l'approche où vraiment on a subi. Il faisait très chaud, le soleil tapait fort, la neige elle était moins bonne, on s'enfonçait énormément. Et là on n'a pas réussi à atteindre le pied de la face comme on l'espérait. On a été vraiment trop fatigué. Donc on s'est arrêté à la moitié de notre journée. On a posé les affaires et de toute façon là on pouvait plus aller plus loin. On était mort. Moi j'étais mort et les copains ils étaient fatigués, donc c'était mieux pour tout le monde. C'était vraiment mieux pour tout le monde. Ça devenait presque dangereux, je pense, en expé d'aller. Voilà. Donc on a encaissé un bon retard par rapport à ce qu'on avait prévu. On n'était pas au pied. Heureusement, le lendemain, donc le troisième jour de beau temps, voilà, hein, donc c'était après on savait que la neige arrivait. Heureusement, il y avait du regel, la neige avait regelé, donc elle était plus dure et le ski glissait mieux sur la neige. Donc on a atteint le pied de la voie, le pied de la face, avec beaucoup plus de facilité que les autres jours. Et c'est là où vraiment on a pu commencer l'escalade. On était vraiment fatigué, on a peu dormi la nuit, on a quand même pas forcément récupéré des deux journées d'approche, qui étaient pas si faciles, on s'attendait pas à ce qu'elles soient aussi difficiles, ces journées. Donc, heureusement, on était quatre, on a uni nos forces, on est partis tous les quatre dans la même voie, et on s'est relayé de longueur à longueur, pour justement pouvoir se reposer un peu chacun son tour, pour économiser nos forces. Fatigué, mais c'est normal. Ouais. Puis on a choisi encore une belle journée de beau temps, hein, parce que c'est quand même un peu nuageux partout autour. Mais par contre, la vue est incroyable. Avec le Twizum là-bas. On voit bien le sommet qui nous nargue. Allez gars, dément. Dément, man. Dément. Allez, 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 allez. Donc c'est une voie de glace, de mixte, donc avec des très belles longueurs, vraiment typées cascades de glace, très verticales, avec de l'épaisseur de glace, très sculptée, et quelques passages un petit peu en rocher où on a coincé les piolets, coincé les crampons, on a pu grimper voilà, du mixte jusqu'à M6, des longueurs de glace qui étaient verticales, et on a pris vraiment du plaisir à aller grimper ces longueurs. On s'est retrouvé un peu comme à la maison, l'espace d'un instant. Voilà. On n'a pas été mis tant que ça en difficulté. Tant mieux d'ailleurs. Tant mieux. On est arrivé sur l'arête sommitale. Et là, il nous restait encore au moins 100 mètres de dénivelé. On ne savait pas trop. Et là, ça s'est un peu plus corsé. On brassait dans la neige. On s'enfonçait quasiment jusqu'à mi-cuisse. Moi, je ne suis pas très grand déjà. Donc, je m'enfonçais un petit peu plus que les autres. On s'arrêtait, on avait l'impression d'être à 8000 des fois. On s'arrêtait, on reprenait notre souffle et on rattaquait à faire la trace. Mais progressivement, pas à pas, on a atteint le sommet de ce qu'on a appelé le Ridge Peak. Le sommet est hyper étroit, on arrive sur vraiment une crête toute fine. On arrive à se regrouper tous les quatre et c'est vrai que là, c'est une explosion de joie parce qu'on est passé par des grosses émotions entre le moment où on a cru qu'on allait pouvoir aller sur l'objectif principal, la déception d'y renoncer, et puis justement de retrouver un objectif, de se remotiver, de pouvoir partir grimper, parce qu'en fait on n'avait pas utilisé les piolets jusqu'à présent, ni les crampons quasiment, donc c'était un soulagement, du bonheur d'arriver là, et on n'a pas pu rester très longtemps, ça a commencé à se couvrir. Et le mauvais temps est arrivé même un petit peu avant. On a fini les rappels sous la neige et on a récupéré nos skis et on a atteint notre petit bivouac sous la neige. Et le lendemain, on est rentré à ski au camp de base, donc sous la neige dans le mauvais temps. Il y a vraiment cette sensation de joie en fait quand tu arrives au sommet avec toutes les difficultés qu'on a pu avoir avant.
Et surtout, il y a cette sensation en fait de plénitude après. Donc à n'importe quel moment, tu te dis j'étais là-haut, c'était génial, c'était trop bien, et en fait tu gardes ça en tête. Après le sommet, on a réussi à regrimper en fait dans la vallée. On a ouvert deux grandes voies de quasiment 200 mètres dans une gorge qui était à 1 heure du camp de base. Et bah, ça conclut parfaitement notre voyage, notre expédition, de pouvoir lier en fait toutes les activités qu'on fait dans nos vallées dans les Alpes. On a fait du ski de randonnée, donc lors de l'acclimatation, du ski de descente. On a fait de l'alpinisme en altitude, du mixte. On a pu faire de l'escalade de la grande voie. Donc c'est une chance, c'est rare. Je suis pas sûr qu'on puisse refaire des expés aussi variés en termes d'activité. Donc ça, pour le coup, ça a été vraiment une vraie réussite de trouver autant de diversité au sein d'une même vallée. Ouais, ce voyage, c'est une vraie réussite. Moi, ça m'a conforté dans quelques idées. J'aime aller explorer des parties du monde qui n'ont pas été trop vues. Voilà. Donc, je suis sûr d'aimer le côté aléatoire de l'exploration. J'aime bien partir à l'aventure et ne pas savoir où aller. Et ne pas savoir si on va pouvoir rentrer dans la vallée, si on va pouvoir atteindre le glacier, si on va pouvoir accéder à la face. Et de trouver des solutions à ça. Et de pouvoir justement réussir son voyage différemment. Et je pense que les personnes dans ce genre de voyage, les personnes avec qui tu pars sont hyper importantes, parce que il faut pouvoir accepter tous ces changements de programme, et il faut être sur la même longueur d'onde. Et typiquement avec Aurélien, Simon et Pierrick, c'était exactement comme ça. On était sur la même longueur d'onde, on était entre potes, on savait que ça allait bien se passer et qu'on allait faire ce voyage entre copains. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl. Pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.